Salut à tous, c'est Aquasis, on se retrouve pour la suite du vagabondage sur l'Aether. Alors, donc, comme vous avez pu le voir, j'ai réinitialisé l'Aether avec tout ce qui s'est passé pour éviter d'avoir d'autres tracas, ce qui m'a redonné le livre de l'or et le parachute doré, donc en espérant que cette fois que tout se passe bien. Hélas, oups, voilà, j'ai failli oublier. Hélas, j'ai voulu changer de monde, hein, puisque bon, avec tous les points que j'ai eu, mais hélas, ce n'est pas possible, c'est toujours le même monde qui réapparaît. Donc bon, ben, je vais essayer de faire avec, en espérant que tout se passe bien. S'il y a encore trop de problèmes, je désinstallerai l'Aether et prendrai un autre mode. Il y en a tellement, après tout, on a tout notre temps. Alors, donc, nous revoici donc dans cette... Alors, par où se trouvent les... la Terre? Alors, je sais pas si c'est du lag, mais... Oula! Je ne vois aucun lopin de terre dans les environs. C'est assez... Ah, voilà, il est là. Donc alors, je vais essayer de m'y rendre le plus rapidement possible. On va utiliser... Voilà. On va refaire la même méthode que la première fois, c'est-à-dire on va arriver là. Sauf que au lieu de faire ça, moi, je vais essayer d'atteindre ça là. Parce que ça a l'air... Voilà, évidemment, là j'ai... J'ai plus mes armes, j'ai plus rien, donc c'est plus contraignant, mais bon. La seule chose à espérer, c'est qu'il n'y ait pas de Zephyr qui vienne encore m'emmerder, parce que bon. J'aimerais bien que pour une fois, il y ait un épisode qui se passe bien, quoi, qu'on puisse découvrir l'Aether vraiment de manière tranquille, sans se faire ennuyer par un mob, quoi. Ça, j'en profite pour garder un peu. On dirait qu'il n'y a pas de Zephyr dans les environs. Espérons que ça continue. Donc on va continuer de récupérer quelques nuages. J'aurais très bien pu me faire un petit pont, mais bon, ça ne sert strictement à rien. Oh zut! Là, c'est pas bien grave, parce que j'ai toujours le parachute. Là, il m'arrivera à rien, même si je tombe à un mauvais endroit. Vous voyez? Problème. Ouh, il y avait une araignée là. C'est ça l'avantage du parachute. Et hop là. Pour ça que là ça compte comme un fail, mais bon, pour l'instant, on verra si le compteur de fail sera nécessaire cette fois-ci ou pas. Par contre, j'ai encore oublié c'est par où. Hop. Oh, ah ouais, c'est par là-bas. Good. Alors en espérant que ça refasse pas le bug de la dernière fois. Hop. C'est vraiment pour avoir été obligé de sortir un compteur à fail, parce que vraiment la dernière fois c'était d'une magnificence absolument époustouflante. Alors, donc on va y aller tranquillement, en espérant qu'un Zephyr ne soit pas dans le coin. Oui, non. Non, on dirait pas pour l'instant. J'espère que ça continue ainsi. Ouais, pour l'instant, je suis pas très loin. C'est... Oh! Qu'est-ce que c'était? C'est une des baleines volantes. Elle m'a fait peur. Donc là, j'ai plus tous mes, toutes mes armures et tout, donc... Ça risque d'être peut-être un petit peu plus compliqué, surtout si je meurs, je vais perdre le parachute et donc je ne pourrai pas revenir là. Il va vraiment falloir que je fasse attention. De toute façon, si je dois encore réinitialiser une nouvelle fois le jeu, je l'arrêterai complètement. Hein. Voilà. J'arrêterai, j'enlèverai l'Aether. Oula, il y en a un là-bas. Deux même. Oh là là, vite. Je suis pas loin. Allez, courage. Ah, j'allais dire, je peux pas attendre ce petit lopin qui est juste à côté. Ouh là là. Et on s'en va. Ouh. Oh putain, les fleurs venimeuses. C'est les fleurs venimeuses. Ah, ouais, ce sont elles. Aïe. Oh, ça fait du truc de dandelion violet. Oh là là, je suis bourré. Bourré, beurré, bourré, beurré. Ah non. Voilà, c'était pétale d'Aichor, donc c'est bien beau. Aïe.
Ouya, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué qui arrive assez souvent ces derniers temps et c'est un peu ennuyant. C'est justement des énormes freezes, mais qui ne sont pas dues à Fraps. Ah putain, il y a quelque chose qui m'attaque. Ah non, c'est toujours le poison. Ah, arrête de bouger! Arrête de bouger! Ah! Bon, je vais attendre. Ah! Oh, c'est quoi ce bruit? Ah! Putain. Je vais essayer de me faire une petite maison dans l'état, parce qu'à la limite, si on veut le visiter, autant y rester un petit moment. Voilà. Je vais faire vraiment une espèce de petit cabanon, hein. C'est juste vraiment une histoire de... Il faudrait que je me fasse un lit ici. Si je me faisais un lit, je pourrais peut-être respawn ici. Enfin, je sais pas, il y a un conflit avec le fait que ce soit l'end. Enfin, avec l'end. Oh. Calmos. Et d'où ça vient ce bruit? Oh! Un mouton vert! Ah, il est de là! Si je reste en mouvement, normalement, il devrait pas me faire de mal. Ils ont l'air abrutis les moutons. Cool, de laine, plus qu'une. C'est la même couleur. Ah, lapino. En espérant que tout se passe bien. Alors. DB, génial. Pourquoi j'en ai plusieurs? J'en ai deux intégrés dans une seule? C'est bizarre. J'en ai plus qu'une ou quoi? À moins qu'elle ait plusieurs usages. Je ne sais pas, en tout cas ça m'a l'air salement buggé. Bon, dans tous les cas, moi j'en profite, hein. Ça me fait gagner un peu tous les PV que j'ai perdus. Cette histoire. Par contre, il me faudrait une laine. Ah, génial, un mouton. Ah, là, là, là. Parfait. J'ai mes trois laines. Je pense que avec oui, c'est de la laine normale. Je peux me faire un lit. Et qui dit lit, dit normalement, si tout se passe bien, respawner ici. En plus ici, là, regardez, ce terrain est parfait. Ma maison sera là. Première chose, espérant que rien ne me tire dessus. Oula. Oh merde, avec des skyroot planks, ça ne marche pas. Ça n'a pas les mêmes propriétés que le bois. Effectivement, dans ces conditions, je vais avoir du mal. Au passage, j'ai vu une astuce que l'on m'a proposée, enfin que l'on m'a dite, et qui est vraiment très intéressante. C'est le f... Ah, attendez, je vais récupérer ma... Maintenant. C'est que si vous tapez, enfin si vous récupérez vos ressources avec du bois ici, les ressources sont doublées. Donc franchement, ça c'est une très bonne astuce que je remercie la personne. J'ai oublié le nom, désolé. Qu'est-ce que... Il vole? Ouais, c'est un mouton du paradis en même temps. Ce n'est guère étonnant. Par contre, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment je fais moi, vu que je n'ai pas de lit. Bah, en fait, je vous avoue, là, maintenant que j'y suis, là, que j'ai réussi à y entrer, je sais pas trop quoi faire. Oui! Ah bah, peut-être récupérer... Ah bah, voilà! Voilà! Qu'est-ce que c'est ça? Plein de petites particules. Qu'est-ce que c'est que ça? Du bois doré, on dirait. Oh, il est tombé. Oh, il en reste encore. Alors, et c'est quoi ce bois exactement? C'est du Skyroot. Pourquoi il est doré? Je comprends pas. Il a quoi de spécial? À part que ça a l'air d'être de l'or. Veuillez m'excuser au passage. Je crois que j'aurais dû me déconnecter. Non, en fait, ça donne des espèces de petits saplings, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Bon, en tout cas, la chose principale qui me pose pour l'objectif là-bas, le temple grec. Enfin, le temple d'Athènes, enfin, athénien plutôt, je dirais. Oh, on s'en fout. On a encore 5 petites minutes, donc autant se dépêcher et y aller. Alors. Ben, le mieux, c'est d'utiliser le parachute pour y arriver. Hop, je vais prendre appui sur cette arme. En espérant ne pas tomber lamentablement.
Voilà. En douceur. Hop. Oh. Calmos. Alors, c'est par là l'entrée. Alors, fais attention parce que je sais qu'il y a des Valkyries là-dedans. Elles sont redoutables. Et elles sont méchantes. Ok, bon. Ouais. Voilà. Attention. Oh putain, il est chiant l'autre. Attention. Y a plein de coffres partout, mais je crois que j'ai pas le temps de les ouvrir à chaque fois. Oh! Une mimique. Voilà. Encore une mimique. Par contre, la pierre là qui a l'air d'allumer, elle est pas mal. Et ça donne des coffres? Sérieusement? Bon. Bon, bref. On se met là. Alors, de l'ambrosium. Un œuf. Une torche d'ambrosium. Et des fléchettes. Wow! Je sais que les Valkyries sont très puissantes et que même une fois j'avais pris tous mes items pour m'amuser, essayer d'en battre une, même avec un stuff surcheaté, je n'arrivais pas à les avoir. C'est dire. Ok, je récupère des coffres. L'utilité, franchement. Merde, c'est le coffre que j'ai vu tout à l'heure. On va aller dans la salle du fond. Il n'y a rien. J'aime bien l'apparence de ces dalles. Elles sont pas mal. Bon, veuillez m'excuser, il faut que je revienne le temps d'un petit instant. Et me revoilà. Veuillez m'excuser, j'ai juste un petit truc à faire. Alors, je ne sais plus trop où j'en étais maintenant. En espérant toujours ne pas tomber sur les Valkyries, parce que sinon, surtout que je n'avais jamais trop compris avec quels critères elles attaquaient ou pas. Je ne sais pas si elles sont toujours là, j'espère que non. J'imagine qu'elles sont... Allez, encore une mimique. Ouais, bon, on s'habitue. Hein. En fait, je crois qu'après, elles nous suivent. Oh, oh merde, voilà une. Merde! Oula. Bonjour. Non, 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 non. Je pense pas à vous battre. Non, non. Là, elles viennent. Oh, elles sont parties. Alors, donc, j'ai récolté une pioche en zanite, des bottes de zanite, je ne sais pas ce que ça fait, mais ça fait un peu de protection, je ne suis pas contre, et un seau. Pourquoi elle me suit? Hello. Non, mais je veux pas, laissez-moi. Oh, putain. Oh. Là, je pense qu'il vaut mieux que je m'en aille. Ok, bon. Avec ce temple, je pense que j'ai fait assez pour le moment. Je reviendrai plus tard. J'ai pas envie de me faire bousiller la gueule. Ah oh! Ah non, pas un zéphyr. Donc les Valkyries sont vraiment très très fortes. Ça, je peux vous l'assurer. J'aime bien l'apparence des poutres. C'est bien pour la déco. Faudrait vraiment que je trouve des slimes bleus. Ah tiens, il y a quelque chose là-haut, un truc vert. Pas très beau. C'est quoi? C'est quoi? Oh, un cadeau! Mais qu'est-ce que c'était? J'ai jamais vu ça. Oui, boule de neige! Ah oui, je crois que c'est avec la dernière amélioration. C'est par rapport à Noël. Ça n'a toujours pas été enlevé apparemment. Tant mieux, hein. Faire des cadeaux. Ok, donc cet arbre n'a pas l'air de dropper grand chose à part les boules de neige. Oui, ah, une autre. J'espère que cette fois ce sera pas. Ah, il y en a plein partout en fait. Oh, ça c'est des baleines ça. Alors qu'est-ce que j'ai comme. Ah, j'ai encore des nuages. Parfait.
Moi, sauf que c'est pas extra pour grimper là-haut. En fait, il y a plein de cadeaux partout. Je vais aller les récupérer. Attention, c'est Wagne. Ah! Je suis sûr qu'il doit y avoir au moins, au milieu de tout ça, un cadeau normal. Il peut pas y avoir que des pièges. Ce serait trop méchant. Ouais, des gâteaux! Ouah! Hein? Ah putain, non! C'est un des chocobos! Ah! Aïe, merde! Ah! Où il est? Putain, il est où? Ah, il est là-bas. Wow, je suis un peu bourré là. Tiens, voilà. C'est quoi ça? C'est des gingerbread man. Oh, une baleine est restée coincée là. Je vais la tuer. Ah non, merde, elle est partie. C'est juste un bug de collision. Alors, donc par contre, je vais prendre la pickaxe. Mouais. La naine. Faudrait vraiment que je récupère quelques blocs. Oh! C'est quoi ces manières? Oh! C'est quoi cette pierre? Ah bah c'est du zénith. Voilà, bah c'est exactement ce avec quoi sont faits mes affaires. Bon voilà, et ben vous savez quoi, on va s'arrêter là pour cette fois. Moi ouais, pour ça je continue à filmer, mais bon. C'était donc Aquasis, hein, pour ce... Eh, c'était le 13e épisode, hein. Il n'était pas maudit pour l'instant, donc ça a l'air d'aller. Donc 13e épisode de Vagabondage, je vous dis à très bientôt pour la suite.